Je dis pas qu'on va aller jusqu'au bout, mais juste pour voir à quoi ça ressemble, histoire que je nettoie un peu le truc en off, en fait. C'est là-dessous. Pourquoi j'ai cru entendre la madame fantôme? C'est très sorcier de passer par là. Bah, disons que vu que le monde s'effondre à cause d'un esprit malade, a priori, bon, il y a un peu des charniers partout, il y a des routes qui tiennent plus le chemin, y a... c'est le bordel quoi. On est ici. Le plan correspond. Miroir, point de sauvegarde, cafetière. On va au moins essayer d'aller jusque là-bas. Si je regarde bien, ça correspond à l'endroit qui est caché là, du coup. Peut-être. On va bien sortir là et qu'il y a un monstre par ici. Et toute une ribambelle de monstres par là. Ça voudrait dire qu'il faut que je fasse le tour comme ça, que je passe au-dessus et que je revienne là. Dirait une école de bail. Après, il a parlé d'un endroit B2, mais il n'y a pas sur la map. Et on est dans la section D. Est-ce que je suis rentré vraiment au bon endroit? Je suis pas serein. Ah. Oui. Ça c'est fait.
Les balles de sniper, je me les gardais juste pour ce genre d'occasion, vous voyez. Ça aurait été un homme normal. J'aurais pas utilisé. Mais c'était pas normal. B3. Wow. Ah. Le gars devait être encore vivant, puis il s'est fait tirer. C'est le bruit qu'on a entendu là. Et puis on n'a rien pu faire. Deux poudres à canon, c'était pas très rentable. Hein. Ça évitera de devoir faire le tour à chaque fois. Je peux pas récupérer la munition, non. La mécanique est un peu bizarre. Comment ça? Là, il y a un petit passage, là, s'il croit que je les ai pas vus. Au cas où, quoi. T'as plus de carreaux électriques. Ah, mais les carreaux électriques, tu peux les fabriquer. Et puis, c'est pas obligatoire. Là, on est où? J'ai fait ça, ça, là, on est là. Ah, le temps que je débloque pas cette porte, je ne peux pas avancer. Pourquoi c'est pas obligatoire? Parce que je peux faire tout le tour. Là, cette porte-là.
Elle mène à là, en fait. C'est un raccourci. Je suis passé par là, j'ai fait le tour là, je suis passé en dessous et ensuite, et ainsi de suite. C'est juste un raccourci en fait, d'ouvrir cette porte. Mais ça va 5 minutes? Il t'a vu au dernier moment. En fait, je me rappelais plus comment. Normalement, en fait, on peut se mettre dans le coin. Ah, comme ça. Là, j'aurais pu le planter, là, en fait, en faisant ça. Mais je me souvenais plus comment me mettre dans le coin. Oh! Une clé. Je peux pas monter. Bon bah. L'impression que je puisse continuer plus loin. Non, ça s'est bloqué. Ouais, voilà, je me. En fait, le jeu, j'y ai joué il y a quoi? Il y a un mois? 2 semaines? En fait. Du coup, je me rappelais plus les touches, tout simplement. Ah, si, on peut aller par là? Non, on peut pas. Peut-être trouver un autre PC. Il doit y avoir un autre PC quelque part. Katana par terre et tu pouvais le ramasser. Non, je pouvais pas. N'y a pas de katana dans ce jeu, sinon je m'en souviendrai. Il y avait écrit X. Bon, c'était peut-être pour passer par au-dessus. Non, je confirme, pas de katana, ouais. Planque. Ah, c'est ici qu'il veut que j'aille. Ok. Encore.
J'y retourne, est-ce qu'elle réapparaît? Oh, c'était peut-être un loot random qui était juste à côté. Tellement le bordel. Hop là. Ça c'est fait. Technique de la bouteille. Mes 12 années d'alcoolisme ont enfin servi. Je suis plein en termes de... Ah ouais, j'ai une hache. Est-ce que j'ai un truc dans quoi planter la hache? Non, ça me servira en off quand je farmerai. Elle restera là tout le temps, la hache. Mais le fantôme, du coup, peut apparaître comme ça n'importe quand. Bon, quand je suis à l'extérieur, ça va. Mais quand je suis à l'intérieur, du coup, ça me bloque dans une maison. Et quand je suis dans une salle bloquée seule, ça rend les choses compliquées. Si elle passe à travers le mur, je suis mort en fait. Je peux pas le one-shot lui. Normalement, deux coups c'est suffisant. Là, c'est j'ai plus besoin d'aller me planquer. Voilà. J'ai pas regardé ce que c'était exactement. Ah, je pensais qu'il était chauve, mais non. C'est une dame. Il faut les tuer avec respect. C'est bon, je peux aller me cacher. Je devrais peut-être tenir Kidman au courant. Kidman, vous m'entendez? 5 sur 5. Qu'est-ce que vous avez pour moi? La bonne nouvelle, c'est que j'ai localisé O'Neill et qu'il a pu me mettre sur la piste de Lily. Bon travail. La mauvaise, c'est qu'Union tombe littéralement en pièces autour de moi et qu'elle est principalement habitée par des monstres et des cadavres. Ah, et le psychopathe que j'avais mentionné, celui avec les pouvoirs qu'il n'est pas censé avoir, eh bien, il a Lily. Je me prépare à entrer dans la moelle dont vous aviez oublié de me parler pour partir à sa poursuite. Désolé de pas avoir eu le temps de vous briefer avant de vous envoyer, mais nous ne pensions pas à la situation si catastrophique. C'est aussi cauchemardesque qu'à Beacon ici. Non, c'est pire. Ma fille n'était pas prisonnière à Beacon. Ok, calmez-vous. Je peux peut-être vous aider. Vous pouvez me donner des informations sur cette personne? Un homme. Environ 1m80, cheveux sombres. Il se prend pour une sorte d'artiste. Ouais, ça fait pas grand-chose. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Je me dirige vers l'hôtel de ville. Je vous rappellerai. Ikawa. Et puis je pense qu'on va... Non, j'ai envie de voir à quoi ressemble la moelle. De l'autre côté, en tout cas, là on a été dans la moelle et j'ai fait le ménage de mon côté. J'ai envie de voir à quoi ressemble cette moelle aussi, pour faire un peu le ménage en off.
Comme ça, on démarrera sur des bonnes bases la prochaine fois. Ah, l'ordinateur dont parlait O'Neill. Essayons ce mot de passe. Étonnamment, quand je fais l'histoire principale, je suis plus serein qu'en explorant. C'est étonnant. Hein. Pourtant. C'est vraiment l'ambiance totale de l'endroit qui fait peur, mais dès que tu vas dans un endroit qui est un couloir ou l'aventure, et que tu sais que c'est un peu prescripté et tout, et que tu comprends le script, bah t'as pas peur, quoi. T'es là en mode, ok, alors là c'est sûr qu'il va arriver ça, ok, ça, 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 ça. Du coup là je suis en haut, j'ai exploré tout en bas là, je suis en haut maintenant. Donc la moelle est un seul et même endroit, et pas plusieurs endroits. On peut pas ouvrir les casiers, très bien. Coucou, c'est moi. Ce corps va disparaître. Ou pas. La situation n'a pas l'air idéale ici non plus. Poudre à canon, mais... La fois en fait, vous me voyez faire ça. À cause de Horizon Forbidden West, parce que cette touche-là qui me permet de me baisser dans ce jeu, c'est le détecteur d'objets. C'est ce qui me montre là où il y a les objets et les met en surbrillance. Et du coup, j'ai trop l'habitude de le faire en fait. Il m'en faut au moins un. Pour fuir au cas où. Donc c'est cette porte que j'ai entendu s'ouvrir.
Va me faire le coup d'ouvrir les ascenseurs encore. Pochette à munitions pour arbalète. Ah, cool. J'irai peut-être la chercher en off. Et poudre à canon. Ok. Donc là, faudrait genre que je descende. Que je ne puisse plus remonter. Donc non. Ah si, je peux remonter quand même. Oh, étonnamment, je sens que toutes les portes vont s'ouvrir, je sais pas pourquoi. Procédure de verrouillage d'urgence actuellement enclenchée. Le verrouillage peut être désactivé en l'ajustant à la fréquence de votre communicateur. Autant essayer. Verrouillage d'urgence désactivé. Le système doit réinitialiser chaque annexe. Veuillez patienter. Verrouillage d'urgence de la zone de loisirs désactivé. Réinitialisation du système. Verrouillage d'urgence du département de recherche désactivé. Réinitialisation du système. Je suis invincible. Verrouillage d'urgence de l'annexe de sécurité désactivée. Réinitialisation du système. Allez, s'y attendre. Oh non! Lisez encore. Ça va, j'ai encore des munitions. Bonjour madame. Hop là, au revoir madame. Non, j'ai mes munitions pour ces bestioles. J'espère que c'est terminé. Il faut que je conserve des munitions. Réinitialisation du système terminée. Verrouillage d'urgence entièrement désactivé. Ça va. J'ai mes balles anti-sorcières, c'est très bien. Là par là, c'est la suite. Poudre à canon. Pas y aller.
Les balles de fusil à pompe, c'est très bon ça. La porte d'où vient la sorcière? Ça a pas l'air très accueillant. Hey Tommy, ça va et toi? Hop, ça s'est fermé. Il y avait un truc en haut de l'échelle aussi, je crois. Ouais, il y a une porte là-bas. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, tout va bien se passer, là je vais retourner en arrière pour aller sauvegarder et puis aller farm la ville off, à mon avis. Sérieux? Ouais. Oups! Oups! Ah, je vise aussi bien que dans mes chiottes. Claire vu l'heure. Hop! Hop! Hop là. Putain, on est bien. Faut que je fasse attention à tout ça. Pas trop faire de balles en off pour vaincre les ennemis. Je vais essayer d'en faire le maximum en sneak. Prendre tout mon temps. Parce que faut se dire, en live, c'est bien d'avancer pour l'aventure. Mais si je devais faire tout Union en sneak à cut tous les ennemis, ce sera pas forcément très amusant pour tout le monde, je pense. Et puis moi, je perdrai du temps parce que je ferai pas d'épisode pour ça. Donc je préfère le faire en off, perso. Bien sur le chemin. Je suis sur le bon chemin. Et bien sûr, je sauvegarde à chaque fois que je fais un truc pour éviter d'avancer dans l'histoire sans faire exprès, en fait. Agent de sécurité feignant d'élite. Bah ouais, je suis agent de sécurité. Agent de sécurité et de surveillance au musée du château de Versailles. Et un ultra feignant, partisan du moindre effort. Et ça fonctionne. Parce que étant partisan du moindre effort, je trouve les solutions les plus courtes aux problèmes. Et du coup, bah c'est... très simple. J'adore. Hop, est-ce que je peux prendre du kawa? Non. Bon bah... sauvegarde. Et puis on aura bien joué. Notre petite soirée d'horreur s'est bien passée. J'ai peut-être sué du cucu. Contre le fantôme, mais voilà. Moi aussi, je suis sur Paris. T'es aussi agent de sécurité? Dans un musée ou juste agent de sécurité en freelance sur des stades et tout?